Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo où on part de Salel à Barcelone et de Barcelone au Portugal. On se retrouve à Barcelone, c'est parti! I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen, bitch I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. On se retrouve donc à Barcelone, donc on est bien arrivé, 3h30 de route je crois. Donc on se retrouve demain matin, à demain matin. Re tout le monde, donc bilan de la matinée. Donc là on a fini de déjeuner. Donc là on est dans le parking, sous le terrain, pour aller chercher la voiture pour aller du coup à l'aéroport. Voilà. Donc je vous fais de jolies petites scènes du trajet pour aller à l'aéroport, même si c'est pas très long. Et on se retrouve du coup dans quelques scènes à l'aéroport. À tout à l'heure. Ok, donc bilan du vol. Le vol était censé être de 1h30 et donc il reste encore un quart d'heure à peu près de vol. Donc les stewards nous ont demandé de nous attacher, l'avion est en train de descendre et il a ralenti. Donc je vous tiens au courant et je vais vous filmer l'atterrissage. A tout à l'heure. Voilà, donc nous sommes en ville, donc nous sommes allés nous balader, donc nous revenons de l'hôtel qui est juste derrière moi, donc un très bel hôtel, voilà. Donc là nous allons manger en ville, donc on va un petit peu se balader aussi, et comme ça on va pouvoir passer une bonne petite soirée. Après je sais plus ce que je disais, du coup je vais arrêter de parler. Rebonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour le jour du départ. Donc là avant de partir pour prendre la route, on va un petit peu aller donc visiter le château de Tomar. Donc maintenant on va aller visiter le château historique de Tomar avant de reprendre la route pour plusieurs heures de route. Mais cette fois-ci on n'ira pas dormir dans un hôtel 4 étoiles comme derrière moi. Donc on ira dormir dans une maison d'hôte. Donc ça va vraiment changer du luxe du 4 étoiles, mais ça va être un petit peu plus chaleureux je pense. Maintenant on va vite partir au château, je vous filme tout ça, à tout à l'heure.
en fait, on a ouvert une pièce du château qui était normalement fermée. Et en fait, il y a tout le monde qui suit, sauf que vu qu'on a été les premiers à rentrer, eh ben, du coup, on a toutes les pièces libres pour nous. Comme vous le voyez, là, on a toutes les statues et on est seul dans la pièce. Bon, avec mes parents, bien sûr. Mais du coup, là, moi, je suis totalement seul dans une pièce qui est censée être blindée. Donc le périple au château est fini. Donc comme vous l'avez vu, c'est très beau et c'est très bien conservé. Donc là, on va rentrer à l'hôtel pour aller chercher la voiture et pour du coup prendre la route. Donc pour aller dans la prochaine ville qui s'appelle Fatima. Donc cette fois-ci, donc comme j'ai dit tout à l'heure, on va dans une maison d'hôte. Donc on va prendre la route, on va manger avant et c'est parti. Ok, donc re tout le monde, donc petit bilan. Donc là on est arrivé donc dans la maison d'hôte, donc accueil bon, donc on s'est installé, là on va manger au restaurant. Donc je sais même pas si je vais vous filmer, bon si je filme à ce soir, si je filme pas à demain. Ok, donc là on se retrouve dans le monastère d'Alcobaça. Donc c'est une chapelle avec plein de jolies choses et certaines choses qui sont d'origine. Donc je vous mets des images de cette très belle visite et là je vais vite aller écouter les gens qui chantent. The ones that look like socks. I like going to the Tula. I put rocks all in my watch. Proving niggas wrong. I do what they say I can. They call me Cardi B. Banging body, spicy mommy, hot tamale, hotter than a Somali. Virgo, Ferrari. Hop up the stoop, jump in the coupe. Big dip on top of the roof. Flexing on bitches as hard as I can. Eating halal, driving a Lamb. So that bitch, I'm sorry though. Got my coins like Mario. Yeah, they call me Cardi B. I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Certified, you know I'm gang, 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 gang. Drop the top and blow the brand. Oh, he's so handsome, what's his name? Chambean pero no jalan. Tú compras todas las Jolambo, a mí me las regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el latino gang, gang. Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. El diablo me llama pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. La bibliothèque bizarre là, c'est très connu. Santo de la colombiana, como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico pim pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo Bobby Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. You know I'm gang, 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 gang. Woo! Drop the top and blow the brand. Woo! Oh, he's so handsome, what's his name? Yeah. Woo! Oh, I need the dollars to change. Beat it up like pinata. Turn the drop, close the curtains. Bad bitch, make you nervous.
Celia Cruz tengo el azúcar. Tú que va me vio y se fue de pecho como Jimmy Luca. Ok, donc voilà, donc comme vous l'avez vu, j'ai pu filmer, mais je vous explique pas comment c'était galère. C'était en caméra cachée, je vais vous expliquer le stratagème. Donc, j'avais mon portable là, donc dans ma sacoche, il était comme ça. Donc là, et sur ma montre, comme ça, je pouvais voir ce qui sortait du portable. Du coup, j'étais comme ça, en train de viser un petit peu, comme je pouvais. Mais je peux pas, enfin, même si les images, elles étaient pas tip top, mais je vous garantis qu'il y avait un vigile, il était ultra vigilant. Bon, c'est un petit peu son boulot, mais à peine on sortait. À peine on sortait le portable, il me disait de le ranger. Mais moi, j'ai quand même réussi. Moi, j'étais stressé comme pas possible. J'étais plus concentré sur la vidéo que sur. J'étais plus concentré sur la vidéo que sur regarder le paysage parce qu'on avait quand même que 10 minutes. Donc j'espère quand même que ces vidéos seront belles pour vous. Parce que quand même c'était vraiment en caméra cachée. Donc je voyais même pas ce que je filmais à part vite sur ma montre. Mais le vigile était tout le temps devant ou derrière moi. Donc voilà. Salut à tous, donc on se retrouve un petit peu quelques jours après donc la dernière fois où je me suis filmé parce que hier j'ai pas du tout filmé, donc là on se retrouve dans une ville fortifiée, un petit peu comme à la cité de Carcassonne pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous filmer ma petite visite. Se retrouve à Lisbonne, donc dans un appartement. C'est les 5 derniers jours au Portugal pour moi. Donc là, donc vu que nous sommes à Lisbonne,
Là, donc, il est 4h05 de l'après-midi et donc nous allons partir un petit peu visiter Lisbonne et ses alentours. Donc là, nous allons visiter le Barrio Alto, donc c'est un quartier haut de Lisbonne. Donc c'est soi-disant très beau, donc nous allons voir ça dans quelques instants. A tout à l'heure. Maintenant que l'enterrement est fini, tout le monde se précipite pour aller rentrer dans la chapelle, dans l'église. On n'avait pas le droit, il a viré beaucoup de monde, sauf que nous, en fait, on est resté bloqués à l'intérieur. Surtout que je n'ai pas le droit de filmer, parce que j'ai tout juste après un enterrement. Ok, donc bilan, il y a eu un gros mouvement de foule. Il y avait une seule personne qui est gérée parce que tous les agents de sécurité étaient partis avec donc le corbillard et la famille donc pour sécuriser le convoi. Sauf que du coup, il n'y avait plus d'agents de sécurité, il en restait qu'un et ça devait être un petit peu le gérant. Et il a été surpassé parce qu'un gros mouvement de foule avec plus de 200 personnes qui rentrent d'un coup dans une église, il a été surpassé, il a viré énormément de monde et il a claqué les grosses portes de l'église. Et nous, on est restés bloqués à l'intérieur avec une centaine de personnes. Et donc, il nous a fait sortir. Bon, on a quand même pu visiter un petit peu plus vite que si on payait, parce que c'est quand même 7€ la visite et on est 3, donc ça faisait un petit peu cher pour une église comme un petit peu les autres, mais quand même on a pu le visiter gratuitement. Et voilà, du coup maintenant on est de retour pour se balader et on a quand même doublé plus de, on va dire, 1h30 de queue. Voilà, donc c'était bien. Donc salut à tous, dernier jour au Portugal. Donc là on est samedi, on part demain, donc dimanche on partira à peu près de la maison
à 8h du matin, bien sûr. Donc là, c'est la dernière journée, donc on va bien en profiter, on va faire beaucoup d'activités. À tout à l'heure. De 1h45 à peu près, avec quelques turbulences. Donc là on arrive dans à peu près 5-10 minutes. Je vais vous filmer comme d'habitude l'atterrissage et on se retrouve sur la terre ou même dans la voiture. Ok, donc on vient de rentrer donc de l'ascenseur et on rentre et on voit la voiture rayée. Super, on a les boules, ça gâche un petit peu le retour de vacances et ça fout les boules quoi. Ok, donc voilà, donc on a fini de faire tous les papiers, donc on a failli payer ultra cher pour le parking parce que mon père s'était trompé de moi dans la réservation, mais c'est pas grave, ils ont quand même été super sympas et ils nous ont laissé payer le prix qu'on devait payer normalement, donc beaucoup moins cher. Donc on est censé avoir une réponse pour l'assurance d'ici entre 5 et 15 jours. Donc c'est quand même bien rayé, donc on sait pas en fait si c'est une personne avec son chariot pour bagages qui nous l'a rayé, si c'est une personne mal intentionnée avec sa clé qui nous l'a rayé, on sait pas, mais en tout cas on va quand même se la faire réparer. Donc là on est dans le parking de l'aéroport, voilà, donc je vous montre un petit peu, voilà. Donc on va sortir du parking et on va aller faire un tour en Espagne pour faire les courses et on va rentrer à la maison, à tout à l'heure. Donc salut à tous, donc on se retrouve lundi, donc un jour après l'arrivée chez moi, donc on est bien rentré, à part le poisson qui était mourant et donc aujourd'hui il est malheureusement mort, mais c'est pas grave, il était vieux, enfin, en fait on sait pas ce qu'il avait, parce que en fait c'est le buller qui s'est arrêté, du coup il a pas supporté, il est mort. Donc j'espère que cette vidéo assez longue quand même vous aura plu. Donc vous pouvez laisser un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir, ça me montrerait que vous avez aimé cette vidéo, parce que j'ai quand même, au total, j'ai dû faire, bon déjà dans l'avion, j'ai passé presque 2 heures à faire du montage, après dans la voiture encore 1 heure, donc j'ai dû faire 4 heures de montage au total pour cette vidéo. Donc vous pouvez aussi vous abonner, la partager sur les réseaux sociaux. Donc sur ce, à la prochaine, dans une prochaine vidéo, ciao, bye bye.